Bonjour, je suis Gabriel Mermet-Bouvier, je suis passionné de diaporama et de photos. Je vais donc vous présenter comment réaliser une image HDR à partir de trois vues qui ont été prises en mode bracketing avec un pas de deux stops. Donc la première vue est, je dirais, la vue normale qui a été prise au centième de seconde avec une ouverture de F10. La seconde vue est la vue sous-exposée qui a été prise au 400e de seconde, toujours à F10. Et la troisième vue est la vue surexposée qui a été prise au 25e de seconde, toujours à F10. Vous comprenez qu'il faut réaliser ces images avec un trépied car sur la vue surexposée, on atteint souvent des vitesses très basses. Donc ces trois vues, je suis dans Lightroom, elles sont en mode RAW. Il faudrait que je les développe, mais là, avant de rentrer dans le logiciel de traitement HDR, on n'a pas grand-chose à faire, car on va faire l'essentiel au sein du logiciel de traitement HDR. Ici, tout ce que je pourrais faire, c'est éventuellement de débruiter mes photos. Là, quand on regarde bien, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi les débruiter? Parce que le traitement HDR va générer du bruit. Quel que soit le logiciel HDR, ça va forcément générer du bruit. Donc, une fois que j'ai éventuellement enlevé le bruit, je sélectionne mes trois vues, je les exporte dans HDR FX Pro 2, et ça, pour la suite, ce sera l'objet d'un chapitre suivant. À bientôt.